Sur les
je vous avais conseillé ça dans un cours intitulé Réussir en anatomie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, descend, je sais. Voilà, c'est toujours conseillé de faire votre propre résumé, mais un résumé qui peut tenir sur une seule page, ou une seule fiche cartonnée ou pas cartonnée. C'est-à-dire un chapitre qui est fait par exemple de, je ne sais pas, 6 pages ou 8 pages. Vous pouvez le résumer en une seule page sur un petit carton où vous écrivez que des mots-clés à retenir. Il faut que ça tienne sur une seule page pour que ce soit mémorisable juste par la mémoire visuelle. C'est-à-dire, vos yeux vont fixer ou photocopier en quelque sorte une seule page au lieu de photocopier 6 pages. C'est une façon de travailler et peut-être que ça ne va pas convenir à tout le monde. Il y a certains qui préfèrent retenir sur l'ensemble, mais c'est toujours utile, à mon sens, de faire un petit résumé, une seule fiche par chapitre. Sans écrire, c'est-à-dire des phrases longues de français, mais juste les mots-clés. Par exemple, ce constat, écrire juste exemple bien, deux points, et il y a un cétabulum pourtour du foramen obturé. C'est tout, des trucs, un style dactylographique. Postérieur. Oui ou non? Donc l'axe du mouvement d'abduction, c'est
il est antéro-postérieur, et le plan est frontal. Par contre, on va prendre maintenant l'antépulsion et la rétropulsion. Regardez, si je fais ici la rétropulsion, mon membre supérieur, il se mobilise dans quel plan? Sagittal. Très bien. Donc le mouvement d'antépulsion et de rétropulsion se fait dans le plan sagittal. Mais selon quel axe? Comment je dois introduire la tige pour que mon membre puisse bouger dans ce sens-là? Cette fois-ci, ça va être comme ça, bien sûr. Vous avez compris? Donc, il va bouger. Donc, l'axe, il est horizontal. L'axe selon lequel le mouvement d'antépulsion et de rétropulsion se fait est horizontal. Et le plan dans lequel mon membre bouge, il est sagittal. D'accord? Maintenant, la rotation latérale et médiale, elle se fait dans quel plan? Regardez, mon membre. Transversale, horizontale, tout à fait. Et l'axe, il est comment? Comment tu vas introduire la tige? Vertical, très bien, comme ça, bien sûr, pour que ça tourne dans ce sens. D'accord? Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Donc, ça, c'est valable pour les poids, pour le coude. Le coude, bien sûr, c'est dans ce mouvement. C'est le mouvement dans le plan sagittal, flexion, extension. Et l'axe, il est comment? Non, horizontal, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut introduire, c'est-à-dire une tige comme ça, là, qui sort par là, pour que le mouvement puisse se faire dans ce sens. Donc là, c'est horizontal et le plan est sagittal. D'accord? Oui. Je sais pourquoi on ne peut pas considérer transcoxal comme un possible. On a dit que c'est un os. Parce qu'il est là, parce qu'il répond à la définition d'un os plat. Un os plat, on va définir en mettant tous les os dans la longueur et la largeur des faces de très loin l'épaisseur. Est-ce que cet os répond à cette définition? Oui, bien sûr. Regardez. L'épaisseur, c'est rien du tout. Par rapport à la longueur et la largeur. Est-ce qu'il répond à cette définition? Oui, donc c'est un os plat. Par contre, les os irréguliers, on a dit que les os irréguliers, bon, les os sont dans les os irréguliers, par exemple les vertèbres, c'est-à-dire les os qui constituent le rachis, la colonne vertébrale, sont irréguliers, pas de forme particulière. Ça, c'est un os qu'on fera en deuxième année. Comme étant l'os qui
on a parlé de la clavicule et de la scapula, qui constituent la ceinture scapulaire, qui rattache le membre supérieur au tronc. L'anus coxal, il constitue avec le sacrum que vous voyez là, donc les deux os sont bien sûr avec le sacrum. Si je fais le tour, ben je vais me retrouver avec une sorte de ceinture qui rattache le membre inférieur au tronc. D'accord. Donc il répond à l'os coxal, contralatéral, et il répond aussi au sacrum. D'accord. Pour constituer la ceinture pélvienne. Vers le bas et en bas, il répond bien entendu au fémur. Donc quand on parle de ceinture, c'est une ceinture, elle est faite pour rattacher deux éléments. Et je viens de dire que le coxal constitue la ceinture pelvienne qui rattache le membre inférieur au tronc. Et pourquoi on l'appelle pelvienne? C'est quoi le pelvis? Le bassin. C'est le bassin. Et le bassin, c'est quoi le bassin? Où est le pelvis? Le pelvis, c'est de l'os, c'est un os de pelvis, ou c'est quoi exactement? C'est un espace. Le pelvis, c'est un espace. Et le bassin, en fait, on peut parler du bassin osseux. Le bassin osseux, c'est ça. Le bassin osseux, c'est tout ça, c'est la ceinture. Tout ça, c'est le bassin osseux. Il est fait des deux os coxaux et du sacrum. C'est le bassin osseux. Mais il y a le bassin qui est synonyme de pelvis et qui est un espace. Un espace. Il est où, cet espace? Il est entouré par la ceinture pelvienne. Donc, il est où le pelvis? Le pelvis, c'est cet espace-là, où je mets ma main. C'est ce vide, cet espace-là qui est là. Juste en haut, il y a un autre espace encore plus grand qu'on appelle l'abdomen, effectivement. Et encore plus haut, derrière le sternum et les côtes, il y a quoi? Un autre espace, c'est le thorax. C'est le thorax, très bien. Donc, il y a le thorax, l'abdomen, et puis le pelvis. Et on va même détailler au deuxième partiel deux pelvis, ce qu'on appelle le grand pelvis, le petit pelvis, c'est ça, on en reparlera au deuxième partiel. Donc le pelvis, c'est cet espace qui est là. Qu'est-ce qui est contenu ici? Quels sont les éléments, les organes qu'on va retrouver là? L'appareil génital, effectivement, c'est-à-dire les organes génitaux internes, bien entendu. On va retrouver aussi la vessie, d'accord? C'est l'appareil urinaire, tout à fait, l'appareil urinaire. Appareil urinaire, c'est-à-dire la vessie et la partie terminale des urtères, et puis ça, on va le voir en deuxième partie aussi. En tout cas, retenez qu'il y a les organes génitaux internes, la vessie et la partie terminale de l'intestin qu'on appelle le rectum. Ça, tout ça, on va le réutiliser en anatomie. Je suis juste en train d'expliquer pourquoi on l'appelle ceinture pelvienne, parce que c'est une ceinture qui entoure le pelvis. Maintenant, pour le classer. Pour le classer, on vient de dire que c'est un os qui est plat, parce que sa longueur et sa largeur dépassent de loin son épaisseur. Et c'est un os qui est bien entendu paire, comme on a deux, et qui est asymétrique comme tous les os du squelette appendiculaire. Il y a les os du squelette axial qui sont dissymétriques, et les os du squelette appendiculaire, c'est-à-dire des membres supérieurs et inférieurs, qui sont tous asymétriques. Donc c'est un os plat, paire et asymétrique. Pour l'orienter, c'est très simple. Et je pense que c'est quoi orienter un os? Non. Pour situer dans l'espace? Non, pas du tout. On a fait ça avec le membre supérieur. C'est quoi orienter un os? Vous savez pas? Très bien, se savoir, c'est répondre à la question est-ce qu'il est droit ou gauche. C'est-à-dire que si je trouve un os coxal posé sur la table, je dois être capable, grâce aux différentes données anatomiques, de savoir est-ce qu'il s'agit d'un os droit ou gauche. Et pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un os droit ou gauche, il faut répondre à trois questions. D'accord? Quelles sont ces trois questions? C'est qu'est-ce qu'il doit regarder vers le dedans et qu'est-ce qu'il doit regarder vers le dedans? Qu'est-ce qu'on doit positionner vers le bas et qu'est-ce qu'on doit positionner vers le haut? Et qu'est-ce qu'il doit regarder vers l'avant? Qu'est-ce qu'il doit regarder vers la gauche? Vers l'avant et vers l'arrière, pardon. Par rapport aux différents sens. C'est pour le monde supérieur et c'est ce qu'on va faire pour l'os coxal. Donc je veux savoir est-ce que c'est un os droit ou gauche et l'os coxal. Donc je dois tout d'abord le positionner en essayant de savoir qu'est-ce qui doit être
positionner ou orienter vers le bas, et ces doigts sont orientés vers le haut. Et ça, on sait très bien qu'au niveau de ce coxal, il y a un trou, un foramen, qui doit être vers le bas. Donc je vais chercher le foramen il est où? Il est là, c'est ça le foramen obturé, on l'a appelé tout à l'heure. Est-ce qu'il doit être positionné vers le haut ou vers le bas? Vers le bas, très bien. Donc je vais le positionner vers le bas, et essayer de savoir est-ce qu'il est droit ou gauche. Donc si je me positionne vers le bas, ça pourrait être un muscoxal droit. Mais en le gardant vers le bas, est-ce que ça pourrait être aussi un muscoxal gauche? En ne respectant que ce critère, ça pourrait aussi être un os gauche. Donc jusqu'à présent, je ne peux pas trancher. Je dois répondre à la deuxième question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit regarder vers le nord, qu'est-ce qu'il doit regarder vers le dedans? Et là, j'ai la réponse. La réponse, c'est que dans l'os coxal, il y a une cavité articulaire, n'est-ce pas, qui doit regarder vers le nord. Il va chercher où cette cavité articulaire semi-lunaire, il est où? Elle est là, et voilà. Elle doit regarder vers le nord. D'accord? Donc, est-ce que ça pourrait être un os... droit? Oui, c'est possible. Est-ce que ça pourrait être un os gauche en respectant ces deux critères, l'orifice vers le bas et la cavité semi-lunaire vers le nord? Oui, donc jusqu'à présent, on ne va pas trancher. Maintenant, il faut répondre à la troisième question. Qu'est-ce que tu dois regarder vers l'arrière? Qu'est-ce que tu dois regarder vers l'avant? Et là encore, on a la réponse. On sait que l'os coxal a quatre bords, supérieur, antérieur, postérieur et inférieur. Et on sait que dans l'un de ces bords, qui doit regarder vers l'arrière, il y a une grande incision. Alors, est-ce que là, il y a une incision? Non. Est-ce que là, il y a une incision? Non. Est-ce que là, il y a une incision? Oui. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a deux. Et là, il y a, oui, encore, il y a là, et il y a cette grande incision. Elle est énorme, on ne peut pas la rater. Elle doit regarder vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'arrière, très bien. Donc, je vais supposer que cet os est un os gauche. Donc, je vais mettre le foramen vers le bas, la cavité articulaire vers le nord, je vais le placer. Oui, c'est bon, mais si je le considère un os gauche, la grande incision, elle va regarder vers l'avant. Bon, moi je sais qu'elle doit regarder vers l'arrière. Je vais voir, je vais vérifier si je. Comme ça marche. Les trois critères sont remplis. Le foramen vers le bas, la surface semi-lunaire vers le nord, et la grande incision vers l'arrière. Donc, je n'ai pas de doute, c'est un os coxal droit. Voilà, on se rend l'orientation. Et ce qu'on vient de faire maintenant, là, on le fait avec tous les os, avec le fémur, avec la scapula, la clavicule, je ne sais pas, j'ai pas réussi. Je ne sais pas si vous l'avez fait à mon supérieur ou pas. Vous l'avez fait. Et bien, donc, c'est la même chose. Donc voilà, donc après l'orientation de l'os, il faut le décrire. Et pour le décrire, on va tout d'abord parler de sa configuration générale. Sa configuration générale. Est-ce que vous avez deux bouts de papier? Deux bouts de papier, deux feuilles blanches. Dans un plan, comme vous voyez là sur la maquette,
dans un plan relativement sagittal et un segment inférieur, c'est-à-dire le pourtour du foramen obturé, qui est dans un segment plutôt horizontal ou frontal. D'accord ? C'est-à-dire que l'os, il se présente de cette manière, avec une partie supérieure dans un plan plus ou moins sagittal et une partie inférieure dans un plan plus ou moins, n'est-ce pas, frontal. D'accord ? Donc, il est fait donc, de deux segments, l'un perpendiculaire à l'autre. Il est donc positionné dans deux plans différents. Si ce n'était pas le cas, eh bien, ça ne va pas se fermer. Regardez, si vous supposez que ce foramen, le pourtour du foramen obturé, était dans le même plan sagittal que l'iliaque, eh bien, les deux coxos ne vont pas se toucher. Il y aura une ouverture. Donc, on va supposer que le pourtour du foramen obturé était dans le plan sagittal, mais on est venu le rabattre, n'est-ce pas, vers le dedans pour finalement le positionner dans un plan frontal et fermer ainsi la ceinture pénienne. Donc on va retenir une chose, c'est que la forme globale de l'os coxal est en hélice, avec deux segments. Un segment supérieur maintenu dans un plan plus ou moins sagittal et un segment inférieur, le pourtour du foramen obturé, dans un plan frontal, donc deux segments, l'un perpendiculaire à l'autre. C'est pour cela d'ailleurs, je vais utiliser cette même représentation pour comprendre que quand on veut explorer radiologiquement l'iliaque pour savoir s'il y a une fracture ou pas, eh bien, je ne peux pas utiliser une vue ou une incidence de face stricte, ni de profil strict. Parce que j'ai dit effectivement que l'iliaque est dans un plan sagittal, mais pas sagittal strict, il est un petit peu dévié vers le dos. Et donc si je veux bien voir s'il n'y a pas de fracture à ce niveau, si je fais une vue là de profil, je ne vais voir que cette partie de l'iliaque, je ne verrai pas la partie postérieure. D'accord. Et si j'utilise une vue antérieure stricte, je ne vais voir que cette partie, je ne vais pas voir la partie postérieure. Donc pour bien explorer l'iliaque, il faut que je prenne une vue de... Donc si ce n'est ni de face, ni de profil, ça va être de 3 quarts. D'accord ? C'est-à-dire, c'est comme si on veut prendre une photo, mais c'est une radio, c'est des rayons X. Donc ça va être une vue de 3 quarts. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise, mais en langage radiologique, on dit que pour explorer l'iliaque, on va faire une incidence en 3 quarts à l'air. 3 quarts à l'air, c'est l'adjectif relatif à l'air iliaque. Même chose pour le foramen obturé. On demande au technicien de radiologie de prendre une radio avec une incidence, c'est-à-dire une orientation de la prise de radio, de 3 quarts obturateur. Il n'est ni de face, ni de profil. C'est une autre clinique qui est sur le polycopié. Je vais expliquer pourquoi on prend 3 quarts à l'air, c'est pour voir l'air iliaque dans son ensemble. On prend 3 quarts obturateur pour voir le foramen, le pourtour du foramen obturé dans son ensemble. Voilà, donc la première des choses que j'espère que vous avez retenues, c'est cette disposition de l'os coxal en deux segments, l'un perpendiculaire. D'accord ? Ce qui nous amène justement à parler maintenant des constituants de l'os. Et l'os coxal, embryologiquement, il est fait de combien de parties ? 3 parties, effectivement, ce sont l'iliaque, voilà, l'iléon en haut, l'ischion en bas et en arrière, et le pubis en bas et en avant. Ces trois segments sont soudés, n'est-ce pas, au fond de l'acétabulum. Et puisqu'ils sont en nombre de 3, la soudure va former quoi? Là où c'est soudé, sera dessiné la lettre Y majuscule. Voilà. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y avait chez la personne qui n'a pas encore terminé sa croissance? Pour les orlans, par exemple. Voilà. Pour les orlans, il y a des cartilages, on fait épiphyse et diaphyse. Là, c'est un os qui est plat. Il a le droit aussi d'avoir un cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance, il existe où? Il existe au niveau de cet Y. C'est pour cela qu'on appelle le cartilage en Y. C'est le cartilage de croissance de l'os coxal qui, finalement, se retrouve au fond de l'acétabulum, de ce qu'on va appeler acétabulum.
Est-ce que vous suivez? Oui. C'est bon? Donc, ce qu'il y a à retenir maintenant, c'est qu'il y a trois parties au niveau de l'os dorsal, l'iléon, l'ischion et le pubis. Maintenant, on va décrire. Donc, on va décrire et avant de décrire, on va savoir que l'os coxal, finalement, on va présenter à décrire combien de faces? Deux faces. Une face exopélienne et une face endopélienne. Exopélienne, c'est-à-dire qu'elle regarde en dehors du pélvis. Et endopélienne, c'est celle-là, elle regarde vers le pélvis, elle regarde vers les organes contenus au niveau du pélvis. Et puis, il va présenter quatre bords, un bord supérieur, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord inférieur. Et il va présenter aussi quatre angles qui constituent, c'est-à-dire, l'union entre les différents bords. Les deux supérieurs et les deux inférieurs, on va y revenir. On va commencer par décrire les faces. On va commencer par la face, n'est-ce pas, exopélvienne. La face exopélvienne va présenter à décrire trois parties. D'accord? Si vous avez des questions, on va arrêter. Donc, quelles sont les trois parties? Les trois parties, c'est tout d'abord les liliaques, d'accord? Là, c'est le labulum et le foramen obturé. Les liliaques sont au niveau de sa partie exopélvienne. Elle regarde vers où? La médaille, exactement là. Elle regarde vers où? Vers la fesse, n'est-ce pas? Comment on appelle aussi la fesse? C'est la région? Glutéale, la région fessière ou la région glutéale. Donc, cette zone, elle est un petit peu concave, n'est-ce pas? Elle est concave en dehors. Et constitue donc, comme elle regarde vers la région glutéale, elle constitue la fosse glutéale. Au niveau de la fosse glutéale, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quoi? Des lignes. On va trouver trois lignes. On va appeler lignes glutéales. Donc, il va s'agir alors de la ligne glutéale postérieure, la ligne glutéale supérieure et la ligne glutéale inférieure. Ces trois lignes glutéales, si elles vont appeler lignes semi-circulaires, vont séparer les zones d'insertion des trois muscles glutéaux. On va parler alors du gluteus maximus, du gluteus minus et du gluteus minimis. Ou alors, grand glutéal, moyen glutéal et petit glutéal. Ça, c'est le territoire d'insertion de ces différents muscles. Voilà donc ce qu'il y a à retenir concernant la face exopélvienne de l'iléon. Si on descend plus bas, on va retrouver au centre de cette face une grande cavité. Si ça, c'est un labulum. Ça, c'est un labulum. Et TAP, on l'appelle toujours la cavité otioïde. Oui. C'est pour la ligne glutéale. On a postérieur, antérieur et inférieur. Ou postérieur, supérieur et inférieur, et la supérieure et antérieure. D'accord. Alors, la partie moyenne, c'est la cavité acétabulaire ou cotyloïdienne. On va poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre la cavité cotyloïde et la cavité glénoïde? Bien sûr. La cavité glénoïde, c'est la scapula. Donc, la cavité cotyloïde, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est le cotyle, c'est ce qu'on appelle l'acétabulum. Cette cavité est formée de deux zones, n'est-ce pas? Une zone périphérique semi-lunaire, ressemblant à un croissant, délimité par deux cornes, une corne antérieure et une corne postérieure. Ces deux cornes vont être séparées par un espace qu'on appelle l'incisure acétabulaire, effectivement. Et c'est cette zone semi-lunaire, périphérique, qui est encrotée, c'est-à-dire tapissée de cartilage, et qui est donc la seule à être articulaire au niveau de cet acétabulum. Le deuxième constituant de cette cavité acétabulaire, c'est le fond de l'acétabulum, qui n'est pas articulaire, et donc qui n'est pas encrotée de cartilage, mais qui présente plutôt, c'est une zone où on va retrouver de la graisse. Il est comblé de graisse. D'accord? Et entre les deux cornes ici, de la cavité semi-lunaire, va exister quoi? Un ligament, très bien, qui va partir d'une corne à l'autre, et qu'on va appeler tout simplement le ligament transverse de l'acétabulum, qui est aussi encrotté de cartilage. Il est aussi tapissé de cartilage, parce qu'il va lui aussi entrer en contact avec la tête, n'est-ce pas, du fémur, pour
constitué l'os coxal, pour constituer pardon, l'articulation de la hanche. Et vous le voyez ici bien, vous reconnaissez ici bien entendu en bleu le cartilage de la tête fémorale, et vous reconnaissez là ce dont je suis en train de parler, ce que je vais tout de suite vous expliquer, l'existence d'un fibrocartilage qui va être posé, n'est-ce pas, sur le pourtour ici de l'acétabulum, le pourtour de l'acétabulum qu'on appelle le limbus, on appelle le limbus, et ce fibrocartilage s'appelle le labrum. Donc le labrum est disposé autour du limbus. Vous pouvez faire passer la maquette juste pour voir de quoi c'est fait. Ok. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de parler de la surface semi-lunaire qui entoure le fond de l'acétabulum, et cette surface semi-lunaire est surmontée par le limbus. On vient d'expliquer ce limbus, c'est ce qu'on peut aussi appeler le sourcil de l'acétabulum. Le sourcil de l'acétabulum sur lequel est posé un fibrocartilage qui fait tout le tour et qui est aussi encroûté de cartilage et qu'on appelle le labrum ou bourrelet continuïde, à ne pas confondre avec le bourrelet glénoïdien au niveau de la scapule. D'accord? Est-ce que c'est compris? C'est bon? Donc on descend encore plus bas. Quand on descend plus bas, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un grand orifice, ou foramen. Qu'on appelle foramen? Obturé. Ça veut dire quoi, obturé? Très bien. Et ça veut dire quoi? Excusez-moi, je juste une petite seconde, je peux expliquer une chose. Merci. Là, ce mot obturé, ça veut dire quoi, obturé? Ça veut dire fermé, tout simplement. C'est-à-dire que cet orifice qui vous paraît là complètement ouvert, il est ouvert parce que c'est un os qui n'est plus ouvert par les membranes, par les muscles, par les membranes et tout ça. Mais en réalité, chez l'être vivant, ce foramen, il est fermé. Le voilà, le foramen. Est-ce qu'il est ouvert ici? Il n'est pas ouvert. Est-ce que vous arrivez à le voir? Non, parce qu'il est caché par ce muscle. C'est l'un des muscles obturateurs. Et si je retire ce muscle obturateur, je vais trouver une membrane qui me ferme davantage. Donc foramen obturé, ça veut dire foramen fermé, tout simplement. Dans les anciens bouquins, on a trouvé qu'il s'appelle foramen obturateur. C'est pas vrai, parce qu'il n'est pas obturateur, mais il est obturé. C'est pas lui qui ferme, il est fermé. Il est fermé par trois éléments. Les deux muscles obturateurs, internes et externes, et une membrane obturatrice. Mais ces trois éléments laissent quand même une petite ouverture, qui est représentée ici, pour le passage du pédicule, c'est-à-dire le pédicule obturateur et le nerf obturateur qu'on va voir avec l'innervation du membre inférieur. D'accord? Voilà donc concernant le foramen obturé. On va maintenant parler de son pourtour pour voir de quoi il est constitué. Il est constitué de quoi le pourtour du foramen obturé? Le foramen obturé est entouré par plusieurs éléments. En haut, par la cavité acétabulaire. En arrière, par l'ischion. Et en avant, par le pubis. Le pubis, il est fait de quoi? Le pubis, il est fait d'un corps et graisseuse. Donc, en tout cas, ce corps supérieur porte le nom de crête iliaque. Oui? Tout ce qui est sous-cutané est palpable. Palpable, ça veut dire qu'on arrive à le toucher. Sous-cutané, ça veut dire sous la peau. Quand on a un os ou autre et directement sous la peau, ce qui n'est pas palpable. Voilà, voilà donc concernant le bord supérieur. Concernant le bord inférieur, le bord inférieur, il est fait de quoi? La branche inférieure du pubis, eh bien, est la branche de l'ischion. La branche inférieure du pubis est la branche de l'ischion. Or, le bord inférieur, on parle alors de la branche ischio-pubienne, qui est parfois fracturée, c'est-à-dire dans le cadre des fractures de l'os coxal. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à parler du bord antérieur et du bord postérieur. Le bord antérieur et le bord postérieur sont formés par une alternance de zones surélevées et de zones, c'est-à-dire échancrées, zones surélevées et zones échancrées. Et on peut alors les citer. De haut vers le bas. On va donc parler
de l'argent qui est situé, c'est une épine, c'est qu'une épine qui sera en avant. Voilà, c'est l'épine iliaque, le nerf supérieur. Puis, il y a l'épine iliaque, le nerf inférieur. Et contre les épines, ici c'est une épine, et ici une autre épine. Donc là, c'est une chancrure. Voilà, après comment ? Interépineuse, tout simplement. Donc on se retrouve alors avec l'épine iliaque en nerf supérieur, les chancrures, on laisse sur interépineuse, l'épine iliaque en nerf inférieur. Et puis, il y a l'autre, les chancrures, pour le passage de quoi ? Du muscle iliopsoas. Donc on va l'appeler l'incision du muscle iliopsoas. Et puis il y a une éminence. Une éminence, c'est-à-dire une surélévation qui est adoucie. Une surélévation à ce niveau. Qui fait relier quoi ? Voilà, qui fait relier l'iléon au bord supérieur de la branche supérieure du pubis. Comment on appelle ce bord supérieur de la branche supérieure du pubis ? Le pectin du pubis. Donc, c'est une éminence qui relie l'iléon au pectin. On va l'appeler comment ? Éminence iliopectinée. Éminence iliopectinée, puis le pectin du pubis, puis le tubercule pubien. Donc, je répète les constituants du bord antérieur, c'est très simple. L'épine iliaque en terreau supérieur, l'incisure interépineuse, l'épine iliaque en terreau inférieur, l'incisure du muscle iliopsoas, l'éminence iliopectinée, le pectin du pubis, puis le tubercule pubien. D'accord, tout à fait, on l'a. Voilà donc pour le bord antérieur. Maintenant pour le bord postérieur, c'est à peu près pareil. C'est toujours une alternance de surélévation et d'échancrure, surélévation et échancrure. Donc là, la surélévation, tout à fait en haut, c'est l'épine iliaque aussi. Mais cette fois-ci, postéro supérieur, puis incisure interépineuse, puis, c'est-à-dire l'épine iliaque, postéro inférieur cette fois. Puis la grande incision sciatique, la grande et fameuse incision sciatique, où passe le nerf sciatique. Vous la voyez là, ben le nerf sciatique, il va partir dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Il va sortir, c'est-à-dire il sera, on va le voir, la seule branche terminale du plexus sacré, il va sortir par la grande incision sciatique et puis parcourir la face postérieure de la cuisse. Et se terminer pour sommet du membre amputé, et ça on va le voir avec l'innervation du membre inférieur. En tout cas, retenez pour le moment que, au niveau de la grande incision sciatique, passe le fameux nerf grand sciatique. Donc par la suite, c'est l'épine sciatique ou ischiatique, c'est pareil, et puis on a ce dont on a parlé tout à l'heure, la tuberosité ischiatique, je dis, sur laquelle vous êtes assis. Il y a finalement l'épine iliaque postéro-supérieure, l'incision interépineuse, l'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incision sciatique, l'épine sciatique, puis la tuberosité ischiatique. Voilà, c'est tout, c'est pas plus simple que ça, donc il faut juste le retenir de cette manière. On a donc ainsi terminé la description de l'os coxal avec ses différentes faces, ses différents bords. Les ongles, en fait, c'est juste l'union des bords, donc finalement, l'ongle supéro antérieur qui va correspondre à l'épine iliaque antéro-supérieure qui est palpable aussi, d'accord, sous la peau bien sûr, et puis l'épine iliaque postéro-supérieure pour l'ongle postéro-supérieur, entre le bord supérieur et le bord postérieur, et puis l'ongle postéro-inférieur il va correspondre à quoi ? À la tuberosité ischiatique, et l'ongle, c'est-à-dire antéro-inférieur, il va correspondre là où tu n'as plus rien, puis là où va finalement se former, n'est-ce pas, la synthèse pubienne. D'accord. Est-ce que c'est compris? Voilà donc concernant l'os coxal. Les fractures de l'os coxal sont graves pour plusieurs raisons. Si c'est une fracture au niveau de l'acétabulum, c'est grave parce que c'est-à-dire ça va être une fracture articulaire, ça va retentir sur l'articulation de la hanche. Et puis la gravité aussi provient de ces rapports. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'os coxal, finalement, il constitue la ceinture pélvienne, donc il va être en contact avec des organes membres à ce niveau. Donc s'il est fracturé, il risque, n'est-ce pas, de blesser les organes pélviens, d'où la gravité des fractures de l'os coxal et du bassin en général. Voilà donc concernant l'os coxal. On va maintenant s'entretenir.
tarder. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aborder maintenant le fémur. Sauf si vous avez des questions, s'il vous plaît, au cours de votre conseil. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce conseil, s'il vous plaît? Hein? Ça va? Très bien. Donc, on va maintenant aborder le fémur. Et le fémur, c'est pareil, on suit les mêmes étapes. On va suivre les mêmes étapes pour décrire le fémur. Et le fémur, donc, comment on va le définir, le situer, l'orienter, le placer et le décrire. Alors, c'est quoi le fémur? Le fémur, c'est l'os qui constitue à lui seul le squelette de la cuisse. C'est un os, bien entendu, qui va répandre à l'os coxal en haut et à la patella et au tibia en bas. J'ai pas dit début là. À aucun moment je prononçais le mot fibula, c'est-à-dire que le fibula n'entre pas en contact avec la fibula. Et donc la fibula n'a rien à voir avec l'articulation du genou, et ça, on va le voir par la suite. Voilà. Alors, donc, c'est aussi l'os qui est le plus grand de l'organisme, le plus grand os, le plus long os de l'organisme, c'est le fibula. Pour le classer, bon, c'est un os qui est, comment ? Qui est long, bien sûr, c'est un os grand, mais non plus, sa longueur n'est pas de très loin, sa largeur de son épaisseur, qui est pêle et qui est bien entendu assez liquide. Son orientation, pas plus simple que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste placer, c'est-à-dire la plus grosse extrémité, il est haut, il faut la placer vers le haut. Voilà la plus grosse extrémité, il faut la placer vers le haut. Donc ça pourrait être un os droit, un os par en gauche ou un droit pareil. Toujours au niveau de cette extrémité, la surface articulaire, sphérique, il faut qu'elle regarde vers le dedans. Très bien. Donc ça pourrait être jusqu'à présent un os gauche, comme ça pourrait être un os droit, si on respecte que ces deux critères. Le troisième critère, qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Il dit que le bord le plus tranchant doit regarder vers l'arrière. Ben, je vais faire passer mon doigt. Où est le bord le plus tranchant? Voilà, il est là, le bord le plus tranchant. Il doit regarder vers l'arrière. Donc si on fait regarder le bord le plus tranchant vers l'arrière, la cavité articulaire sphérique vers le dedans et la grosse extrémité en haut, ça va être donc un fémur gauche. Celui qui est entre ma main est un fémur gauche. Je pense que c'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, avec mon traitement, vous pouvez être capable de le décrire. De toute façon, vous pouvez faire passer les questions si vous voulez. Pour ne pas faire, je vous donnerai le fémur pour le bord. Et bien ça. Voilà. Donc après l'orientation, on va le décrire. Et pour le décrire, est-ce que vous avez des difficultés particulières par rapport au fémur? Qu'est-ce qui est peut-être pas très bien compris? Bon. On va donc le parcourir assez rapidement. Donc c'est un os qui est long. Est-ce qu'il y a pas remarqué déjà sur la maquette? Est-ce qu'il est droit? Non. Il est oblique. Il est oblique dans quel sens? En bas et médianement. Voilà, donc son grand axe est oblique en bas et médianement. Et il fait avec la verticale un angle d'à peu près 5,5 degrés. 5,5 degrés entre la verticale et le grand axe de l'os. Ça nulle part. Donc vous le voyez de face. Et quand vous le voyez de profil, est-ce qu'il est rectiligne? Non, il n'est pas oblique. Il est très bien. Il est concave. Concave. En arrière, il est concave en arrière ou convexe en avant. Convexe en avant, ça veut dire concave en arrière. D'accord. Donc, vu de face, il est son grand axe, c'est oblique en bas et en dedans, et fait avec la verticale un angle d'à peu près 9 degrés. Et vu de profil, il est concave, comme vous voyez, regardez. Il n'est pas droit, il est concave en arrière, bien sûr. D'accord. Donc, c'est un os qui est long, et comme tous les autres os longs, il va présenter donc une diaphyse. Un corps et deux extrémités proximales et distales, ou deux épiphyses proximales et distales. Concernant le corps, il est triangulaire à la roue. C'est-à-dire que si je le coupe transversalement, voilà ce que je vais obtenir. Je vais obtenir un triangle. Thank you.
je vais obtenir un client, mais si je le coupe transversalement, et là ça va être l'avant, et là ça va être par exemple le dedans. D'accord. Donc je vais obtenir un client, et en obtenant un client, je vais vous trouver avec une face antérieure, une face médiale, une face latérale. Et donc un bord antéro-médial, un bord antéro-latéral, et le fameux bord postérieur. Et j'ai fait exprès d'exagérer le bord postérieur pour montrer que finalement, j'ai dit qu'il est triangulaire, mais un triangle, il est à peu près comme ça, avec un sommet postérieur unique. Lui, il n'a pas un sommet unique, il a un sommet, on dit qu'il est bifide. Il a un sommet qui est bifide. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on va voir la, c'est-à-dire le bord postérieur, on dira qu'il est fait de deux lèvres. On va commencer par ça. Le bord postérieur, qu'on appelle aussi ligne A, il est fait de deux lèvres, une lèvre médiale et une lèvre latérale, séparée par un gouttière, une gouttière ou un sillon entre les deux lèvres. Vous comprenez ou pas? Et d'ailleurs, on dit que sur la lèvre médiale s'insère le vaste médial, sur la lèvre latérale s'insère le vaste latéral, et entre les deux vont s'insérer les muscles adducteurs, le grand, le long et le court adducteur. D'accord? Est-ce que c'est compris? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ce clic arc? Si je représente la ligne arc toute seule ici, bien, je vais me retrouver, si je zoome uniquement sur la ligne arc, donc il y aura deux, ça c'est uniquement le bord que j'ai représenté, et j'ai fait exagérer de l'écarter. Il a deux lèvres, une lèvre ici latérale, une lèvre ici médiale. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux lèvres? En bas, vont s'éloigner l'une de l'autre. On dit que le bord va se bifurquer. Et en se bifurquant, il va limiter ici en bas un triangle que vous voyez à ce niveau. Regardez les deux lèvres médiales qui partent vers le devant et latérales qui partent vers le nord. Et il se retrouvera ainsi délimité un triangle qu'on appelle triangle obliqué. Très bien. Parce qu'il constitue le fond de ce pli-là. Le pli qu'on a là, on appelle le creux obliqué. Donc il va constituer le plancher de propriété et mérite donc le nom de triangle obliqué. Mais le bas, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la ligne, là ça va être bien sûr le dedans. Et là, c'est le haut. D'accord? Donc qu'est-ce qui va arriver à la lèvre médiane? Elle va se prolonger également. La lèvre latérale, elle va se prolonger latéralement. Et on aura une troisième ligne qui va se surajouter. On dit que la ligne A va se trifurquer en haut. Et donc, là, ça va être la lèvre médiane, là, c'est la lèvre latérale. La lèvre médiane, en se prolongeant vers le devant, elle va changer de nom. On va l'appeler ligne comment ? Spirale, qui va donner toujours insertion au muscle vaste. Latéral, vaste médial. Maintenant, la lèvre latérale qui va se prolonger vers le nord. La lèvre latérale, là, va se prolonger vers le nord et va se surélever. Elle portera par la suite le nom de quoi? Voilà, tuberosité lutéale. Qui donnera insertion à quoi? On dit que le grand gluteal, c'est-à-dire gluteus maximus. Et en plus de ces deux lèvres, au niveau de la partie toute supérieure, il va s'ajouter une troisième ligne. C'est pour ça qu'on dit que le bord postérieur du fémur va se trifurquer en haut. D'accord? Cette ligne médiale qui va se surajouter va donner insertion là, au muscle pectiné. On va donc l'appeler la ligne pectinée. Donc si on reprend ici le bord postérieur, puis le plus important au niveau de la diaphyse,
On va dire que c'est un bord qui est béquille. Si on le coupe transversalement, on va obtenir ces deux, l'air latéral et l'air médial avec un interstice au milieu. Sur la lèvre médiale, ça sert le vaste médial. Sur la lèvre latérale, ça sert le vaste latéral. Et entre les deux, s'insère les muscles abducteurs. Vers le bas, ces deux lèvres vont s'éloigner l'une de l'autre, délimitant le triangle complété. Et vers le haut, ils vont subir une trifurcation, c'est-à-dire que le bord va subir une trifurcation. Et donc, on se retrouvera avec la ligne spirale en dedans, donnant toujours un section vaste médial. La lèvre latérale va se prolonger par la tuberosité glutéale, donnant un section gluteus maximus. Et au milieu, va se surajouter une ligne, donnant un section muscle pectiné. Et donc, méritera le nom de ligne pectinée. Ici, au milieu. Est-ce que c'est compris? D'accord. Sinon, bon, le reste de la diaphyse, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que la face antérieure va donner une insertion au vaste intermédiaire. Et puis, on va une face antéromédiale, une face antérolatérale, ou plutôt postéromédiale, postérolatérale, et les trois bords qu'on a cités. Le plus important d'entre eux, c'est le bord postérieur au milieu. D'accord? Voilà, donc, concernant la diaphyse. Concernant les extrémités, eh bien, il y a une épiphyse proximale qui présente combien d'éléments? Trois éléments. La tête, le col et le massif tuberosité. La tête est un segment de sphère. C'est à peu près les deux tiers d'une sphère. C'est une sphère qui est encrotée de cartilage, sauf au niveau d'une dépression. Qu'on appelle la fovea carpitis, qui donne ici une insertion à quoi? Au ligament rond de la tête fémorale. Ligament rond de la tête fémorale. Juste en dehors, cette tête est soutenue par le col. Le col, c'est un cylindre qui est aplati d'avant en arrière. C'est comme si c'était un cylindre qu'on est venu écraser d'avant en arrière. On a aplati d'avant en arrière. Je vais vous faire passer tout à l'heure la maquette et vous verrez qu'il a été écrasé d'avant en arrière. C'est pour cela qu'on peut lui décrire une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur et un bord inférieur plus long. C'est le col. Et le col ici du fémur, son axe, fait avec l'axe de la diaphyse, un angle connu, il est à peu près de 125 à 130 degrés. S'il est plus ouvert que ça, on aura ce qu'on appelle une déformation bursa valga. Et s'il est plus fermé, on aura une déformation bursa vara. Pour retenir la déviation, c'est-à-dire bursa vara c'est vers le dedans et bursa valga c'est vers le dehors, c'est simple. Dans le mot varus, c'est-à-dire bursa vara, varus, il y a la lettre R. R comme rachis. Le rachis, la colonne de le rachis. Et donc, varus, c'est une déviation vers le dedans. Et dans le mot valga, c'est-à-dire valgus, il y a la lettre L, L comme latéral, une déviation vers latéral. C'est juste une petite astuce pour retenir varus et valgus, ce qui n'est pas spécifique uniquement à l'ange. Nous allons en parler aussi pour les autres articulations et les autres os. D'accord. Voilà. Alors, donc, par la suite, donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau toujours de l'extrémité proximale? Il y a deux tuberosités. Une grosse tuberosité ici en bas, c'est ce qu'on appelle le grand trochanter, qui donne insertion à plusieurs muscles, notamment ici sur son bord supérieur et un petit peu sa face latérale, le muscle gluteus médius, voilà, et aussi les muscles pelvitrochantériens. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle pelvitrochantériens. On va les étudier avec les muscles du bassin. Maintenant, toujours au niveau du massif tuberositaire, il y a une petite tuberosité là, qui est située cette fois-ci à quel niveau? Le grand trochanter, il est latéral. Le petit trochanter, il est plutôt médial. Et il donne insertion à quoi? Au muscle psoasilien, c'est le muscle qui permet la flexion de la hanche. D'accord, il va tirer sur le petit trochanter, il va assurer donc la flexion de la bouche. D'accord. Voilà donc ce qu'il y a à retenir concernant l'extrémité proximale, la tête, le col et le massif tuberositaire, le ventre trochanter, le ventre trochanter. Le col et ce sphère, est-ce qu'il voit en avant ou bien en arrière?
Alors, si on descend plus bas, on se retrouve avec l'extrémité distale. L'extrémité distale, elle est faite de quoi? L'extrémité distale, elle est faite de deux bandiers. Voilà. Voilà le bandier du côté médial, voilà du côté latéral. Quand on est venu souder, et on a mis en avant un cylindre qui est pincé au milieu. C'est la troquelée fémorale. La troquelée fémorale que vous voyez ici, on est venu coller en avant des deux bandiers. Ce qui fait que ça va ressembler grossièrement à une pyramide quadrangulaire, avec une face antérieure où on reconnaît ici la troquelée fémorale, une face postérieure où on reconnaît ici les deux bandiers, séparés par une grande incisure qu'on appelle intercondylienne, qui est dans l'insertion au ligament croisé. Ligament croisé du genou. Une face médiale qui est surmontée ici par l'épicondyle médial et encore plus en haut, un tubercule ici en haut qui est très important, qui donne insertion au muscle grand adducteur. C'est important de revenir cela parce qu'à ce niveau, le muscle grand adducteur va délimiter un orifice par où va passer la fameuse artère fémorale. C'est là où elle va se terminer pour se poursuivre avec l'artère obliquée, et ça on va le revoir avec la vascularisation du membrane inférieur. D'accord? Vous suivez? Très bien. Maintenant, la face latérale, elle est aussi caractérisée par l'existence d'une surélévation qu'on appelle l'épicondyle latéral. Sur la face médiale, il y a l'épicondyle médial, et sur la face latérale, il y a l'épicondyle latéral. Les deux donneront respectivement insertion au ligament collatéral médial et collatéral latéral du genou. D'accord? C'est bon? Voilà donc concernant l'extrémité distale. Oui. Pour le condylé médial, je trouve qu'il n'est pas symétrique, au contraire. Il est d'ailleurs, quand on va parler du tibia, on va dire que le plateau tibial est présent deux cavités glénoïdes. Et l'une est pas la même. Est-ce que les deux cavités glénoïdes et tibiales sont les mêmes? Ils ne sont pas les mêmes parce qu'ils vont répondre à des condyles qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas symétriques, au contraire. Donc il y a un qui est plus grand que l'autre et il ne faut pas rentrer dans ces détails. Oui. Tu pourras trouver la surface paternelle, je pense. Oui, la troquelée ou surface paternelle, c'est synonyme. Troquelée fémorale ou surface paternelle, c'est la même. Parce qu'elle répond justement à la paternelle. Articulée avec la patelle. Voilà donc concernant le fémur. Est-ce que vous suivez? C'est bien. Alors, il y a un petit peu bousculé par le temps, donc je vais continuer par la description de l'os de la jambe. Après, si on a le temps, on reviendra sur les articulations. Les os de la jambe, au niveau de la jambe, il y a combien d'os? Il y a deux os. Il y a un os, la fibula, donc on va parler tout à l'heure assez rapidement, c'est un os qui constitue, la fibula constitue la colonne latérale. C'est un os qui a perdu son importance chez l'être humain et on va y revenir. Maintenant, le tibia que j'ai entre ma main, on le définit comme étant l'os qui constitue la colonne médiale de la jambe. Il répond au fémur et en bas au talus. D'accord. Donc, pour former à la fois l'articulation du genou et l'articulation de la cheville. Il participe à ces deux articulations. Et c'est le plus important os de la jambe. C'est lui qui soutient, c'est-à-dire qui transmet la force. Il soutient donc le corps, pas la fibula. La fibula, on peut même la retirer en respectant juste sa partie distale et ça n'aura pas d'impact. Tibia, c'est important pour les postures et la locomotion. Donc c'est un os qui est bien entendu long, qui est épais, qui est asymétrique. Son orientation aussi est très simple. Il suffit de placer la plus petite extrémité vers le bas, placer la grosse vers le haut, la plus petite vers le bas. Toujours au niveau de cette petite extrémité, il faut chercher le processus voilà, mastioïde. Mais un processus qui descend vers le bas, on va le chercher, il est où? Il est là. Vous regardez vers où? Vers le devant, très bien.
lui est toujours au niveau de cette extrémité, et là deux faces, une face qui est lisse et une face qui est rugueuse. La rugueuse, il faut la placer vers où? Vers la rine. Très bien. Donc, la plus petite extrémité vers le bas. Le processus, la malléole médiale, il faut la placer vers le dedans. Et puis, la face lisse vers l'avant. Donc, c'est un tibia gauche. C'est un tibia. Donc, voilà concernant l'orientation du tibia. Maintenant, concernant, c'est-à-dire, sa description. Il c'est un lancement, et donc il présente un corps de diaphyse et deux épiphyses, donc c'est mal et distal. Le corps, il est là encore comme une fémur triangulaire à la coupe. Et donc, si on le coupe transversalement, voilà, donc on va obtenir. Si on le coupe transversalement, on va obtenir. Un triangle, tout simplement. Là, ça va être l'arrière, et là, ça va être l'avant, le dedans. Et là, ça va être le sommet du triangle, bien entendu. Ici, c'est quoi le rond? Le rond, c'est le canal médulaire. C'est le canal médulaire auquel on va se rejoindre au niveau de la diaphyse. Et donc, la figure de le fémur tout à l'heure, son sommet, ben, on l'a mis, il fait. Là, non, là, c'est un triangle avec un sommet antérieur unique et un sommet qui est, c'est-à-dire, qui correspond au bord antérieur de l'os. Et ce bord antérieur de l'os, il est même palpable, il est sous-cutané, il est palpable, il ne protégé que par la peau et donc exposé au traumatisme. On l'appelle la crête tibiale. Le bord antérieur porte le nom de crête tibiale. Maintenant, le bord latéral, celui-là. Il est aussi pointu, donc là ça va être la crête tibiale. Et là, ce bord-là, il regarde vers le nord, c'est-à-dire vers la fibula. C'est un bord sur lequel va s'attacher quoi? La membrane interosseuse, la membrane qui relie le tibia à la fibula. On va donc l'appeler le bord interosseux. Notre bord inter. Et puis il y a un bord médial qui va lui se prolonger par la malléole, médiale. Il y a aussi une chose à retenir à propos du bord interosseux. Il va donner insertion à la membrane interosseuse, mais vers le bas, regardez ce qui va lui arriver, il va lui aussi se bifurquer. Il va se bifurquer pour délimiter une zone articulaire au niveau de l'extrémité distale du tibia. C'est l'incision fibulaire, c'est la surface articulaire qui va répondre à l'extrémité distale de la fibula pour constituer la syndesmose tibio-fibulaire dont on avait parlé au chapitre général. Vous vous rappelez. Voilà donc concernant la diaphyse avec les trois bords et donc les trois faces, une face antérolatérale, une face antéromédiale et une face postérieure. La face antérolatérale est riche en insertion musculaire. Alors que la face antéromédiale, elle est dénuée d'insertion musculaire. Elle ne manque insertion à aucun muscle. Et donc, si vous palpez la face antéromédiale, est-ce que vous pouvez la palper? Oui, vous pouvez la palper. Elle n'est couverte que par la peau. Et donc, elle est exposée au traumatisme. Et quand il y a un traumatisme à ce niveau, la peau peut s'ouvrir et donc l'os deviendra apparent. Ce qui fait toute la gravité des fractures à ce niveau. Les fractures vont non seulement être il y aura non seulement une fracture de l'os, mais une fracture de l'os avec un os visible. C'est ce qu'on appelle fracture couverte, qui est plus difficile à traiter qu'une fracture fermée. D'accord ? Voilà donc ce qu'il y a à retenir. Alors sur la face antéromédiale, je dis qu'il est dénué d'insertion musculaire, aucune insertion musculaire, sauf à la partie toute supérieure. À la partie toute supérieure du tibia, de la face antéromédiale. Au niveau de la partie toute supérieure de la face antéromédiale du tibia, vous la voyez là, regardez, sur la face antéromédiale du tibia, il n'y a rien, tout est blanc ici, aucune insertion musculaire.
sauf à la partie toute supérieure, où il y a trois insertions musculaires. Ici, on le premier, c'est le sartorius, en avant. En arrière et en haut, c'est le gracilis. En arrière et en bas, c'est le semi-tendine. Ce sont les trois muscles dits de la patte doigt. Pourquoi on les appelle de patte doigt? Parce que quand on réalise quand on veut juste dessiner la face médiale, je vais l'agrandir juste pour que vous puissiez comprendre, la face médiale du tibia, eh bien, ces trois insertions musculaires vont avoir un petit peu cette forme. On va se retrouver avec un petit peu cette forme. Et donc, ça ressemble à quoi? Regardez, c'est comme une empreinte, n'est-ce pas? Une empreinte d'une patte droite. C'est comme si si tu appuies sur la de ça, là, on se retrouve là avec, n'est-ce pas? La patte droite avec ici l'insertion du sartorius, là, le gracilis, c'est là, le semi-tendineux. Donc, étant donné que l'insertion musculaire va ressembler à l'empreinte de la patte droite, on va appeler ces trois muscles, les muscles de la patte droite, on va bien sûr les étudier avec les muscles de la cuisse. Voilà donc concernant la diaphyse. Concernant maintenant l'extrémité proximale. Concernant l'extrémité proximale, l'extrémité proximale ressemble à une pyramide. Une pyramide, là encore, quadrangulaire. Et donc, c'est-à-dire à quatre faces, une base et un sommet. Une pyramide inversée. D'accord? Pyramide de Pharaon inversée. On a inversé et on a coupé son sommet. D'accord? Le sommet de la pyramide a été coupé. On dit que c'est une pyramide à sommet tronqué. D'accord? Donc, une pyramide à sommet tronqué qui va donc présenter quatre faces. Une face antérieure, une face postérieure, une face médiale et une face latérale avec une base. Mais où est le sommet? Il est coupé et on l'a soudé à la diaphyse. Il est coupé, on l'a collé à la diaphyse. On ne le voit pas, mais si on la coupe là, on isole l'extrémité proximale et on la tient, c'est-à-dire par la partie supérieure, elle ressemblera à une pyramide inversé, assemblé coupé, assemblé tronqué. Donc ce qu'il y a finalement à décrire à cette extrémité, ben, tout d'abord, il faut savoir qu'elle est aussi composée de deux segments. C'est quoi? Ce sont les deux condyles du tibia, et les condyles du fémur, et les deux condyles du tibia qu'on est venu coller l'un à l'autre. D'accord? Et donc, en les collant l'un à l'autre, on se retrouve avec la pyramide quadrangulaire, on ne trouve pas quoi, comme vient de dire. Donc la paroi antérieure, elle présente quoi? Elle présente une tubérosité très importante qu'on appelle la tubérosité tibiale antérieure, qui est aussi palpable ici, sous la peau. Elle est palpable sous la peau et elle donne insertion, comme vous voyez là, à quoi? C'est ici en bleu, au ligament patellaire. C'est le ligament qui va partir de la patella jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure. Jusqu'à la tuberosité tibiale antérieure. Et c'est grâce à ce ligament que l'on peut faire l'extension du genou. Le quadriceps va tirer sur la patella va tirer sur le tendon patellaire, et le tendon patellaire va tirer sur la tibia. On fait ainsi l'extension du genou. Toujours sur cette face antérieure et latéralement, existe un tubercule, un petit tubercule, qu'on appelle le tubercule de Gerdy, qui donne l'insertion à ce qu'on appelle le tractus iliotibial. C'est quoi le tractus iliotibial? C'est l'extension, si vous voulez, aponevrotique du muscle penseur du fascia latin, qu'on va étudier avec la myologie. Donc il s'insère à ce niveau, et c'est l'un des muscles stabilisateurs latéraux du genou. Ça, on va le revoir avec la myologie. D'accord? Donc face antérieure, deux éléments à retenir. La tuberosité tibiale antérieure et le tubercule de Gerdy. Maintenant, la face postérieure. La face postérieure est présente au milieu l'insertion du ligament croisé postérieur. Elle présente latéralement
latéralement de ce côté, donc l'insertion de quoi? Le passage de quoi? Semi-membraneux, puis le tendon cette fois-ci direct, d'accord? Et puis latéralement à ce niveau-là, médialement, c'est l'insertion du tendon, c'est-à-dire direct du semi-membraneux, et latéralement. Non, ça c'est au niveau postérieur. Médialement, c'est déjà une surface articulaire ici sur la face latérale qui répond à la fibula. Maintenant, donc on a parlé de la face antérieure, de la face postérieure. La face médiale, elle donne l'insertion à quoi? Là, ce n'est pas représenté. C'est le tendon réfléchi du semi-membraneux. Et latéralement, c'est toujours la surface articulaire qui répond à la fibula que vous arrivez. Hein, là, il n'y a pas de fibula ici. Que vous arrivez à voir à ce niveau de la surface articulaire avec la tête fibulaire. Donc, on a parlé de la face antérieure, on a parlé de la face postérieure, face latérale, face médiale. Reste à parler maintenant de la face supérieure, ou base de la pyramide. La base de la pyramide, elle est comment? Elle est plane, ou horizontale, comme un plateau. C'est pour cela qu'on l'appelle le plateau tibial. Toute la face supérieure s'appelle plateau tibial. Elle est un petit peu difficile, pas difficile, mais elle est riche. En éléments anatomiques, les mérites vont être dessinés. Avant que la dessinée, en faisant tout d'abord une augmentation, là ça va être la hanche, et là ça va être le côté, voilà, latéral. Et donc pour la dessiner, elle aura un petit peu cette forme. Voilà, conscient. D'accord. Donc là, tout ça, c'est la face supérieure de l'extrémité proximale du tibien qu'on appelle plateau tibien. Elle est divisée en trois éléments, en trois espaces. Un espace ici, médian, et puis une cavité glénoïde médiale, et une cavité glénoïde latérale. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est la tuberosité tibiale antérieure, effectivement. C'est quoi là? Cet espace qui est médian, il est lui-même divisé en trois segments. Au niveau de la partie moyenne, existent des épines. Ce sont les épines du tibia. Ce sont les épines du tibia. Et s'il y a ici des épines au milieu, eh bien, cette zone en avant, on va l'appeler R. Spinal, c'est un adjectif relatif à épine. Et donc là, ça va être spinal, et là, ça va être rétrospinal. Rétrospinal. Et là, on a dit que c'est la cavité glénoïde. Cavité glénoïde. Comment? Médial. C'est la cavité glénoïde médiane. Et ici, bien sûr, c'est la cavité glénoïde latérale. Voilà. Alors, quels sont les éléments? Là, ce sont des surfaces qui sont articulaires. Ils répondent à quoi? Au du fémur. Au pilier, constitution de l'articulation du genou. Mais pour une meilleure congruence articulaire au niveau du genou, il y a des structures. Voilà, des structures fibro-cartilagineuses qui sont déposées en croissant sur ces cavités glénoïdes pour amortir les chocs et pour améliorer l'adaptation des surfaces articulaires. D'accord? C'est ça leur but. Et ces croissants ont la forme d'un croissant. Ils ont la forme d'un croissant. Et on présente deux cornes. Vous les avez vues, n'est-ce pas? Oui. Présente donc deux cornes. Une corne antérieure et une corne postérieure. D'accord?
antérieur ici du ménisque médial s'insère sur la surface préspinale et la corde postérieure sur la surface rétrospinale. Ça, c'est du côté médial. Du côté latéral, pareil. Du côté latéral, exactement pareil, il y a un autre ménisque. Voilà, il y a un autre ménisque sous forme de croisement avec une corde antérieure et une corde postérieure. Oui ou non? Très bien. Donc, finalement, on se retrouve avec deux cavités glénoïdes, deux ménisques fibrocartilagineux avec une partie centrale où il y a l'éminence intercondylaire, où il y a les épées, et puis une aire préspinale, une aire rétrospinale. Après, juste pour retenir, là, je ne me rappelle plus qui est-ce qui a posé la question tout à l'heure, les deux condyles du fémur ne sont pas pareils, et les cavités glénoïdes ne sont pas pareils, les ménisques aussi ne sont pas pareils. Il y a, donc, vous voyez ici, un ménisque qui est ouvert et un ménisque ici qui est fermé. Et vous voyez là, juste un moyen mnémotechnique pour retenir qu'il y a un ménisque sous forme de C, donc ouvert, et un ménisque sous forme de O, donc fermé. Celui qui est ouvert, c'est celui-là, celui qui est du côté médial, c'est interne, interne. Et celui qui est fermé, qui est à la fois d'un O, il est externe, donc latéral, c'est externe, E, M. Les deux lettres sont contenues dans la marque que vous connaissez, le GRL, une marque que je n'aime pas tout à l'heure, c'est trop bien. Donc, C, interne, ITR, et O, externe, E, M. C'est juste un moyen mnémotechnique pour contenir cette disposition des deux ménisques. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est de retenir cette surface articulaire, ou cette face supérieure, c'est-à-dire la face, n'est-ce pas, supérieure, plate tibiale, niveau du tibia. Donc, on va, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, continuer. Oui. Le canal. Quel canal? Là. Ah, ça c'est juste le canal médulaire, qui existe dans tous les endroits. On a fait le chapitre généralité, on a dit que dans la diaphyse d'un enfant, il y a un canal, qu'on appelle canal médulaire, qui est la moelle osseuse jaune au niveau de la diaphyse et rouge au niveau des épiphyses. C'est le canal médulaire, c'est celui que vous au niveau du au niveau du virus, au niveau de tous les endroits. Dans les endroits, on a dit qu'il y a juste un tissu compact de part et d'autre. Il est plus spongieux entre les deux. Enfin, les petits bleus avec les réseaux du crâne, c'est pour rappeler bien. Là, par contre, ce qu'on a oublié de représenter, c'est ça. C'est quoi? C'est l'empreinte d'insertion des ligaments croisés. Le ligament croisé antérieur sur l'air préspinal et le ligament croisé postérieur sur l'air rétrospinal. Donc, finalement, trois éléments vont se retrouver insérés au niveau de l'aire préspinale, ce sont les deux cordes antérieures des deux ménisques plus le ligament croisé antérieur. Et dans l'aire rétrospinale, ce sont les deux cordes postérieures des deux ménisques plus le ligament croisé postérieur. D'accord. Est-ce que c'est compris? Monsieur, ça, c'est autre chose. La connaissance, c'est la biologie. Vous savez, les muscles sont entourés d'une aponeurose. L'os, il est entouré de périos qui le couvre, qui l'enveloppe. Et le muscle est entouré d'une aponeurose qui entoure le muscle. N'est-ce pas? Et l'aponeurose ne fait pas qu'entourer que le muscle. Il y a une aponeurose qui entoure un groupe musculaire et qui envoie des septums. Et ça, on l'a fait quand j'avais une généralité. Ce qui fait délimiter des loges. Et au niveau de la jambe, on se retrouve avec une aponeurose superficielle, avec des septums intermusculaires qui partent de tous les côtés, délimitant trois loges. Une loge antérieure, une loge latérale et une loge postérieure. Elle-même se divise en deux, postérieure profonde et postérieure superficielle. Et ça, on va le revoir avec la biologie. D'accord. Donc la
l'aponévrose, c'est le tissu qui entoure le muscle et qui entoure un groupe de muscles délimitant les loges musculaires. D'accord. Voilà, donc alors, on va maintenant aborder l'extrémité distale du tibia. Elle aussi, elle a la forme un petit peu d'une pyramide quadrangulaire, c'est-à-dire qu'elle présente elle aussi quatre parois antérieures, postérieures, médiales, latérales, une base et un sommet. Vous voyez le sommet, il est coupé, sommet tronqué et soudé à l'os. Ce qui nous laisse à décrire une face antérieure qui nous a servi tout à l'heure à orienter l'os. Il est comment ? Lisse. Et sur laquelle glissent les tendons extenseurs. Les tendons extenseurs du pied et de la cheville. La face postérieure, par contre, elle est rugueuse. Elle présente un tubercule qui délimite deux gouttières pour le passage, cette fois-ci, des tendons. En avant, c'était les tendons extenseurs. Donc, en arrière, ça va être les tendons fléchisseurs. Tout à fait. Voilà. Maintenant, toujours au niveau de cette extrémité distale, il y a latéralement une surface articulaire délimitée par la bifurcation du membre interosseux. C'est l'incisure fibulaire qui répond à l'extrémité distale de la fibula. Et latéralement, pardon, médialement, il y a cette excroissance osseuse, si vous voulez, qui descend plus bas que tout le reste de l'os, qui est aussi palpable sous la peau, on toujours la palper là, sous la peau, c'est la malléole médiale. La malléole médiale, elle fait partie du tibia. La malléole latérale, on va la voir, elle fait partie de la fibule. D'accord. Donc voilà, donc on a vu la face antérieure pour les tendons fléchisseurs, la face postérieure rugueuse pour les tendons extenseurs, la face latérale, c'est l'incision fibulaire avec la fibula, et la face médiale, c'est la malléole médiale palpable sous la peau. Reste à décrire la face inférieure du tibia est une surface articulaire répondant à quoi ? Voilà, on la voit bien ici, si on regarde ici la face inférieure, on voit qu'elle répond à l'un des os du tarse postérieur supérieur, c'est-à-dire le talus, formant ou participant à la formation de ce qu'on appelle la mortaise tibio-fibulaire qui répond au talus pour former l'articulation de la cheville. Maintenant, on va le revoir avec l'anatomie, n'est-ce pas, du talus. Voilà donc concernant l'extrémité distale du tibia, donc concernant le tibia en général. Est-ce que vous avez des questions à propos du tibia? Ça va? Très bien. Alors, si c'est compris, on va rapidement voir la fibula. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va devoir un petit peu accélérer pour faire passer ce qui est juste pour voir certaines structures du tibia. Concernant la fibula, on dit que c'est un os qui n'a pas beaucoup d'intérêt chez l'être humain. Sauf concernant son cadre distal. Concernant son cadre distal, la partie tout à fait distale, elle participe, comme je viens de le dire, à la formation de l'articulation de la cheville. Elle est importante, la partie distale. Mais la partie centrale, la partie moyenne, elle n'est pas très importante. Ce n'est pas grâce à la fibula qu'on se tienne le corps. Il dit que c'est plutôt le tibia qui est très important au niveau de la jambe. Et donc, quand on a besoin d'os, par exemple, pour reconstruire le mandibule, on peut le prendre sans problème et ça ne va pas rebondir sur la mobilité ou sur la posture. D'accord. Alors, de quoi il est constitué? D'abord, comment peut-on le définir? On le définit comme étant la colonne latérale du squelette de la jambe. Il répond au tibia, n'est-ce pas? Il ne répond pas à la fémur du tout. Rien à voir avec le fémur. Il répond pas au tibia en haut et il répond en bas au talus. Talus ou astragale. Il répond en bas au talus pour former l'articulation de la cheville. On ne va pas parler beaucoup de sa diaphyse. Vous avez posé tout à l'heure la question. Bon, la diaphyse elle est aussi triangulaire à la peau. Elle présente un bord antérieur, un bord postérieur, un bord médial regardant vers le tibia. C'est ce qu'on appelle le bord interosseux. Et ce bord médial, c'est une crête qui va séparer une face antérieure pour l'insertion des extenseurs et une face, pardon, pour l'insertion des fléchisseurs, des extenseurs, oui c'est ça, des extenseurs, c'est-à-dire les muscles extenseurs de la jambe, et une face postérieure pour l'insertion des muscles fléchisseurs.
Voilà. Présente aussi une face qui regarde vers le dehors pour l'insertion de quoi? Du long et du court fibulaire. Ce sont les muscles de la roche latérale de la roche. Donc un bord antérieur, un bord postérieur et un bord médial, une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. Voilà pour les différentes insertions que je viens de citer. Ce qui est important à retenir, c'est surtout les extrémités. On se retrouve avec une extrémité proximale constituant quoi? La tête de la fibula avec l'apex. Sur l'apex de la fibula s'insère le ligament collatéral latéral du genou. Et la tête présente médialement une surface articulaire qui répond bien entendu au tibia pour la constitution de l'articulation tibio-fibulaire proximale. Maintenant, l'extrémité distale. Toute l'extrémité distale, l'ensemble de l'extrémité distale porte le nom de malléole latérale. Tout à l'heure, la malléole médiale n'était qu'une partie de l'extrémité distale du tibia. Là, toute l'extrémité distale de la fibula porte le nom de malléole latérale. Elle est aussi palpable sur la peau. Elle est sous-cutanée et palpable sur la peau et peut se fracturer facilement à la suite soit d'arthrose directe, soit d'un étirement brusque des ligaments de la cheville. Vous avez parlé tout à l'heure des ligaments de la cheville. Ça peut entraîner une fracture de la malléole latérale seule ou souvent une fracture des deux malléoles, hein, une fracture bimalléolaire, et ça vous allez les réétudier en traumatologie. Voilà, donc au niveau de l'extrémité distale, c'est la malléole latérale dans son ensemble. Elle présente une surface articulaire sur sa face médiale supérieure qui répond à l'incision fibulaire au niveau du tibia. Et toujours sur la face médiale, elle présente une autre surface articulaire, plus bas située que la première, qui répond cette fois-ci à quoi? Au talus. Voilà, pour participer à la constitution de l'articulation paro-crurale ou articulation de la cheville. Voilà ce qu'il y a à retenir. Donc la forme triangulaire de l'os à la peau avec un bord interosseux médial et les différentes faces qu'on a citées tout à l'heure, une extrémité proximale appelée tête de la fibula avec un apex en dehors et une surface articulaire tibiale en dedans, et une extrémité distale portant le nom de malléole latérale présentant médialement deux surfaces articulaires l'une au-dessus de l'autre, la supérieure pour le tibia et l'inférieur pour le talus. D'accord. Voilà, très brièvement, ce qu'il y a à retenir à propos de la fibule. On va donc, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, sans trop tarder, aborder le pied. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on vient de voir? Ça va? C'est bon? Alors, c'est quoi le pied? Le pied, de quoi il est constitué? Il est constitué de trois groupes d'os, n'est-ce pas? Il est constitué du tarse, d'accord, du métatarse et des phalanges. Et le tarse lunaire est formé de deux groupes. Un groupe postérieur formé de deux os, c'est le tarse. C'est le tarse postérieur. Et un groupe antérieur formé de cinq os, c'est le tarse antérieur. Et puis il y a le métatarse et les phalanges. On va commencer par les métatarses et phalanges et puis on va un petit peu détailler les os du tarse. Concernant les métatarses, ce sont des os qui sont comment, longs, courts, là. Ce sont des os longs. C'est vrai qu'ils ne sont pas très longs, mais ils répondent à la définition des os longs. Leur longueur dépasse de très loin leur largeur et leur épaisseur. Donc ce ne sont pas des os courts. Ce sont des os qui sont longs, avec une base répondant au tarse et une tête répondant, d'aspect ondulaire, répondant aux phalanges. D'accord. Donc, ils sont numérotés de dedans en dehors. Pour les cartes, les os du carpe, on a dit qu'ils sont numérotés de dedans en dedans. Là, c'est l'inverse, ils sont numérotés de dedans en dehors. C'est-à-dire, on parle du premier métatarsien, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième. Le plus gros, c'est bien entendu le premier métatarsien. Et le plus long, c'est le deuxième. C'est le deuxième métatarsien. C'est exactement ce qu'on a dit pour les métacarpes. D'accord. Voilà. Après, concernant les phalanges, c'est à peu près
pas maigre. Il y a deux phalanges pour le gros orteil, ou hallux, et trois phalanges pour les autres orteils, on parle de P1, P2, P3, ou phalange proximale, phalange moyenne, phalange distale, ou phalange, phalangie et phalangette. Et la phalangette, elle est par rapport aux deux autres, caractérisée par une extrémité distale qui est pointue et qui porte le nom de houppe phalangienne, la houppe phalangienne. Ce sont aussi des os classés parmi les orlans, même les phalanges qui sont des orlans, parce que leur longueur dépasse de loin leur épaisseur et leur large. Est-ce que c'est compris? D'accord. Alors maintenant, si on voit le pied dans sa totalité. Pardon? Alors, quand on voit le pied dans sa totalité, est-ce qu'il repose sur le sol par tous ses os? Non. Il ne repose pas sur le sol par tous ses os. Il a, n'est-ce pas? Il s'appuie sur le sol, en fait, par deux points d'appui, ou trois points d'appui, pardon. Postérieur par le pelvis, on va détailler, et antérieur par la première, le cinquième orteil et le premier orteil. Donc la tête du premier métacarpien et la tête du cinquième métacarpien. À ce niveau. Donc finalement, il y a trois points d'appui. La tête du premier métacarpien, la tête du cinquième métacarpien, et la tuberosité calcanée. Et à partir de là, on décrit donc une zone de surélevé au niveau du pied. La plante du pied est surélevée. Et on parle alors de voûte plantaire avec les différents arches. Un arche antéro-postérieur latéral, un arche antéro-postérieur médial, le latéral, donc la tête du cinquième métacarpien et le calcaneus, et l'arche médial entre la tête du premier métacarpien et le calcanus. Et puis, il y a un arche transversal au fond, n'est-ce pas? Là, tout à fait au fond transversal, au fond de la voûte plantaire. La voûte, c'est-à-dire un nord, c'est une sorte de nord au niveau de la plante. Donc, après avoir distingué les différents os du pied en tarses, métatarses et phalanges, on a parlé un petit peu des métataxiens et des phalanges. Et on a parlé des points d'appui de l'organisation architecturale du pied dans son ensemble avec l'aspect en voûte plantaire et les points d'appui. On va maintenant finir en détaillant un petit peu certains os du tarse. Et les os du tarse, on en a parlé tout à l'heure en disant que on va les classer et les diviser en deux groupes. Le tarse postérieur qui est fait de deux os. Le talus en haut et le calcanus en bas. Et le tarse antérieur fait de cinq os, le cuboïde, le naviculaire, pardon, le cuboïde et les os cunéiformes. Donc le calcanus va entrer en contact avec le cuboïde et le talus va entrer en contact avec le naviculaire. Pour ne pas faire de confusion, il y a juste une petite astuce pour retenir que le calcanus entre en contact avec le et le talus avec le naviculaire, là encore c'est par rapport à la première lettre des deux mots. C'est-à-dire que voilà, le calcanus ça commence par C, il ne va pas entrer en contact avec le naviculaire, il va entrer en contact avec le cuboïde qui commence aussi par C. Et le talus avec l'autre, c'est-à-dire avec le naviculaire. Et bien sûr, on sait qu'il y a les trois os cunéiformes en avant du naviculaire, et on parlera alors du cunéiforme médial, du cunéiforme intermédiaire et du cunéiforme latéral. Cunéiforme, c'est-à-dire sous forme de point. D'accord. Voilà. Et le naviculaire, c'est ce qu'on appelle aussi l'os scaphoïde. Bon, il y a l'os scaphoïde au niveau du tarse, et il y a aussi l'os scaphoïde ici au niveau du tarse, c'est le naviculaire. Naviculaire, l'os scaphoïde, c'est pareil. Donc, on ne va pas détailler les cunéiformes et le cuboïde ni le naviculaire. Par contre, on va dire un petit mot à propos du talus et à propos du calcanus. Ça va être difficile de les décrire ici sur la maquette. On va les agrandir pour les voir sur le tableau. Donc, on va commencer.
commencer par le thalus. Le thalus, appelé aussi astragale, c'est l'os qui constitue, avec les deux autres jambes, l'articulation par le pleural, l'articulation de la cheville. Si on l'isole, voilà, on va l'isoler, et en isolant, on peut étudier sa forme. On va voir alors qu'il ressemble à quoi? Une coccinelle, par exemple, il ressemble à une coccinelle. Et il présente quoi? Il présente cette partie rose qu'on appelle le corps, n'est-ce pas? Le corps du thalus. Cette partie-là qu'on appelle le col du thalus. Et cette zone qui est jaune qu'on va appeler la tête du thalus. Et le corps, il est fait de quoi? Si on le voit ici de face, il est fait d'une face supérieure qui a la forme d'un cylindre pincé à son milieu et donc ça va être une trochlée. C'est la trochlée du thalus. Elle répond à quoi? Elle répond à la face inférieure du tibia qu'on a vu tout à l'heure. Elle répond à la face inférieure du tibia. Elle présente aussi une face latérale qui répond à quoi la face latérale là? La face latérale du corps. Elle va répondre à la face médiane de la malléole latérale. La fibula. Et une face ici latérale qui répond à la face médiane de la malléole la face ici, on a parlé déjà de la face médiane, la face latérale qui répond à la malléole latérale, et ici la face médiale qui répond à la face latérale de la malléole médiane du tibia, au tibia. Voilà donc finalement ce corps, c'est lui qui va contribuer à la formation de l'articulation paro-crurale en répondant à la face intérieure du tibia, mais aussi à la malléole médiane et à la malléole latérale. D'accord. Voilà. Donc ça c'était le corps du thalus. Un peu plus en avant, on se retrouve avec le col, puis tout à fait en avant, on se retrouve avec la tête du thalus. Si on voit le thalus sur une vue inférieure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il présente deux surfaces articulaires. Une antérieure, c'est la face inférieure du corps, et une postérieure, c'est la face inférieure du corps, et une antérieure, c'est la face inférieure de la tête. Et entre les deux, existe ce couloir ici en orange. C'est un sillon qui va constituer ce qu'on va appeler tout à l'heure le sillon du sinus ou le sinus du tarse. C'est le toit du sinus du tarse. Donc je vais quitter ça pour vous le montrer. Regardez si on agrandit. Donc si on agrandit ici l'image, on va voir que le thalus, il va reposer sur le calcanus en avant et en arrière, et entre les deux, vous voyez cette petite ouverture? Entre les deux, c'est le sinus du tarse. Et je vais vous faire passer tout à l'heure cette maquette, et vous allez voir que le corps, il repose sur le calcanus, la tête, elle repose sur le calcanus, et entre les deux, là où je mets le crayon, il y a un sinus, c'est-à-dire un vide, une gouttière ou un sillon. C'est le sinus du tarse par où passe l'artère du sinus du tarse. On va faire passer le pied. Donc, voilà donc concernant le thalus. Concernant le calcanus, si on l'isole, on va retrouver aussi qu'il est fait de plusieurs parties. Donc, tout d'abord, une face supérieure du calcanus où on retrouve trois surfaces articulaires, une surface articulaire postérieure, une surface articulaire antérieure et une surface articulaire ici moyenne. Entre la surface articulaire antérieure et postérieure, existe ce vide, ce sillon. Il correspond à quoi? Entre cette surface et celle-là, il y a un sillon. Il correspond à quoi? Il correspond au sinus du tarse. Et si tout à l'heure, le thalus constituait le toit du sinus, le calcanus va constituer le plancher du sinus. Le plancher du sinus. Et le thalus, il repose sur ces différentes surfaces.
Là, c'est sur la vue supérieure. Sur la vue. Voilà. Sur la vue inférieure, on reconnaît les points d'appui du calcanus sur le sol. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dit que finalement, le pied ne repose sur le sol que par le calcanus, par ces deux tubérosités en arrière, et par la tête du premier métatarsien et la tête du septième métatarsien, on a encore la constitution des différents arches dont on a parlé. Donc on a donc là parlé de la face supérieure, on a parlé de la face inférieure, reste à parler de la face latérale. La face latérale présente ici, si vous l'avez deviné, une petite surélévation. C'est ce qu'on appelle la trochée fibulaire. En haut et en bas de la terre passent les tendons des deux muscles de la roche latérale de la jambe, qu'on appelle le long et le court fibulaire. Ce qui est encore plus important au niveau du calcanus, c'est la face médiane. Et regardez ce qu'il y a au niveau de la face médiane. Il y a cette surélévation ici en vert, sous laquelle il y a un espace, regardez, je peux carrément glisser deux ou trois doigts sous cette surélévation, ici en vert. Ici on la voit de face, voilà à quoi ça correspond. Donc si moi j'étais un calcanus, je serais comme ça. Et je peux même soulever des choses. Je peux soulever des choses. Donc si moi je suis le calcanus, cet élément ici en vert, être ma main. Et qu'est-ce que je vais soutenir si j'étais un calcanus? Qu'est-ce qui serait posé ici? Le talus. Très bien. Donc le calcanus va finalement soutenir le talus par cet élément en vert. On va donc appeler comment cet élément en vert qui soutient le talus? On va l'appeler le sustentaculum tali. Sustentaculum tali parce qu'il soutient le talus. Ça d'une part. D'autre part, un élément très important, c'est cet espace ici, sous le sustentaculum tali. Il y a un canal très important qu'on appelle le canal calcanéen, au niveau duquel passent différents éléments très importants que vous voyez là. Ce sont les tendons fléchisseurs et le pédicule tibial postérieur. Si je retire cet élément qu'on appelle le rétinaculum des fléchisseurs, je vais trouver le tendon du long fléchisseur des orteils, le tendon du fléchisseur du gros orteil, le tendon du tibial postérieur et le pédicule tibial postérieur de l'artère, là, les deux veines et le nerf tibial postérieur qui passe au niveau du calcanéon, du canal calcanéen. À ce niveau-là, ce canal calcanéen est très important. On l'appelle aussi la gouttière rétromalléolaire médiale. Quand vous mettez vos doigts en crochet derrière la malléole, eh bien, vous allez sentir des pulsations. Ce sont les pulsations de l'artère tibiale postérieure passant d'abord sous le sustentaculum tali dans le canal calcanéen, puis derrière la malléole médiale pour aller par la suite se terminer au niveau de la plante du pied sans avoir le revoir avec la vascularisation du pied. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire à propos de l'ostéologie du pied et donc à propos de l'ostéologie du membre inférieur en général. Concernant l'arthrologie, on a parlé des surfaces articulaires. Parlant de l'ostéologie, on a parlé des surfaces articulaires, et donc on a parlé donc des surfaces articulaires des différentes articulations. Reste effectivement à parler des ligaments et des amplitudes des différentes articulations, mais le temps ne le permet pas. Vous avez donc les différentes vidéos des différentes articulations que je vous invite à voir, et si vous avez la moindre question, bien, vous m'envoyez, vous voyez toutes les questions que vous voulez, et on prend en contact lors des séances Teams pour répondre à toutes vos questions. Mais déjà, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou d'autres questions plus précises? Est-ce qu'on doit apprendre les amplitudes des... Oui, bien sûr, dans les articulaires. C'est important parce que c'est des choses quand on examine un malade, il faut qu'on sache ce qui est normal pour, c'est-à-dire, détecter ce qui est anormal. Heureusement pour vous. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez un vol chez vous à la maison? Vous avez un vol. Donc là, vous vous mettez la soupe. C'est concave ou convexe? Concave.
complexité, c'est ce qui est déposé sur l'assiette. C'est-à-dire, toute chose ayant une concavité a forcément la convexité. La concavité, c'est sa face, on va dire, pour le bord supérieur, et la convexité, c'est la face inférieure. Vous avez compris, monsieur? Regardez, pour le fémur par exemple, il y a une certaine concavité quand même. Bon, je peux l'accentuer là, voilà, là c'est une sphincte bien visible. La fibula, regardez, c'est une fibula qui n'est pas normale. C'est juste parce qu'il y a la chaleur à Marrakech, bon, comme c'est une région, comme c'est synthétique, il s'est un petit peu incurvé. Mais ça rend bien parce que ça rentre une concavité, c'est un petit peu concave. Est-ce qu'il est rectiligne? Je risque de le casser. Et pareil, il devrait normalement l'être, si c'était normal, parce que là, je dis que c'est juste la chaleur. Donc, il est devenu concave. Bon, si on le tient comme ça, ça va être concave en avant, concave pardon, en arrière et convexe en avant. Vous avez compris? Donc là, c'est la concavité, et là, c'est la convexité. Bon, je vais même exagérer un petit peu la concavité. Et si j'insiste encore, je vais le casser. Mais je ne vais pas le casser. Voilà. Oui. Les angles du fémur, les degrés. Les degrés de quoi? Des angles, par rapport à l'axe. Des angles. Du fémur? Oui, quand vous avez dit. Ah, c'est très simple. Oui. Regardez le fémur. Est-ce que le fémur là, est-ce qu'il est droit? Est-ce que le placer? Attendez, je vais essayer de le voir.